Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à trois étages. Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. Nous étions 11 enfants à bord, turbulents et criards, peureux comme des poussins. Nous avions la chaise pour nous bercer, le banc pour faire la prière, le canapé pour pleurer, l'escalier à deux marches pour jouer au train. Un prélard fleuri devenait un parterre, un crochet. C'était les crous pour rouler les câbles de nos bateaux imaginaires. Lorsque la famille était réunie à table et que la soupière fumait, maman disait parfois « Cessez un instant de boire et de parler. » Nous obéissions. « Regardez-vous, » disait-elle doucement. Nous nous regardions sans comprendre, amusés. « C'est pour vous faire penser au bonheur, » ajoutait-elle. Nous n'avions plus envie de rire. Une maison chaude, du pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur, répétait-elle à table. Puis le repas reprenait tranquillement, nous pensions au bonheur qui sortait des plats fumants, qui nous attendaient dehors au soleil, et nous étions heureux. Papa tourna la tête comme nous pour voir le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant parce qu'il se sentait visé, il demandait à ma mère, « Pourquoi tu nous y fais penser à ce bonheur ?» Elle répondait pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. La cloche du petit lac avait bien raison de nous rappeler que nous étions des enfants privilégiés, n'ayant comme inquiétude qu'un devoir de classe à terminer dans la chaleur de la famille. Je n'en savais pas plus long. Maman disait, le reste viendra bien assez vite. Aime tes 12 ans. Et c'est à elle que j'obéissais. Et comme l'équipage d'un navire heureux ne pense ni aux arrivées ni au départ, mais à la mer qui le porte, nous voguions dans l'enfance, voiles ouvertes, émus des matins et des soirs, n'enviant ni les ports ni les villes lointaines, convaincus que notre navire battait bon pavillon et renfermait les filtres capables de fléchir pirates et malchances. Et nous ne voulions pas vieillir. Non, nous ne voulions pas vieillir, mais j'appris que personne ne pouvait échapper à cette loi. Fidor, le coq du quartier, champion coureur de la rue, héros déguenillé de mon enfance, sorti d'une maison branlante, m'apprit que nos 12 ans étaient aussi fragiles que les 70 ans du père Richard.